salut! Donc, moi, c'est Nadège, une étudiante de VFX au NAD. Et aujourd'hui, c'est les portes ouvertes du NAD. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve présentement à côté de l'école NAD. Ça fait trop bien que je dis NAD et en plus, je m'appelle Nadège, donc plein de NAD partout. Aujourd'hui, ça va être une visite de l'école. On va rencontrer des professeurs et en plus, je vais vous montrer des petits plus de l'école. Ici, septième étage, c'est l'administration. On se sent vraiment comme chez soi. Vous pouvez voir derrière moi, il y a un long corridor. C'est les bureaux des professeurs et des chargés de cours et des personnes qui travaillent dans l'administration. Si jamais vous cherchez quelqu'un et vous n'avez aucune idée de ce que vous devez aller, vous pouvez demander ici, au bureau d'administration. Salut Christian! Hey, bonjour madame! Comment ça va? Parle-nous donc un peu de l'école. Quels sont les débouchés que vous offrez pour les diplômés? Qu'est-ce qu'un étudiant peut espérer à la fin de son diplôme? Oui. Écoute, l'école NAD du CAC, en fait, l'école NAD a été créée en 1992 suite à un partenariat avec Softimage. 92, à l'époque, c'était une entité privée où l'école NAD a débuté justement donnant de la formation professionnelle auprès des entreprises qui achetaient le logiciel. Je suis pas mal génération 80, tout ce qui est Albator, Goldorak, Capitaine Flamme, que je vénérais à l'époque et qui m'ont poussé à travailler dans ce milieu-là. On a créé des classes de formation où ils étaient 8 élèves au tout début et devenir vraiment un campus universitaire là, où on pouvait offrir des cours de premier cycle et éventuellement de deuxième cycle. C'est bon. Faites pas ça. Voir leur parcours, les voir évoluer et les voir performer en industrie, que ce soit le jeu vidéo, les effets visuels, l'animation 3D. Aujourd'hui, on offre justement le baccalauréat avec une concentration en jeu vidéo et une concentration pour le film et tout ce qui est l'animation, pour le film d'animation 3D et effets visuels. On a également le deuxième cycle et un DESS en design de jeu narratif. À la fin de ce programme-là, à quoi les étudiants peuvent s'attendre? Est-ce qu'ils peuvent s'attendre d'avoir rentrer dans l'industrie? Ou est-ce que, je ne sais pas exactement la bonne question à dire là-dessus, mais à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'ils vont être formés comme des professionnels? Ou... En fait, justement, le fait de venir à l'université vous donne justement tous les outils pour rentrer dans les différents studios, pour être embauché par les différents studios. En sortant de l'université, justement, j'ai un bac en économie. Je me suis lancé justement dans tout ce qui était le développement économique, mais pour le milieu de la culture. Donc, avant d'être à l'école NAD, je travaillais au niveau du bureau de cinéma et télévision du Québec. En fait, l'école NAD est très proche, une grande proximité avec l'ensemble de l'écosystème, avec l'ensemble des différents studios. Donc, vous pouvez vous placer selon vos spécialisations. Donc, si vous avez besoin de vous perfectionner parce que les logiciels évoluent, parce que les techniques de travail évoluent, vous pouvez revenir nous voir à ce moment-là puis suivre des cours de perfectionnement. Et super, merci Christian. Donc, maintenant, on va aller voir le service aux étudiants. C'est le bureau de Valérie et Sandrine. Il y a même Sandrine qui est là-bas en train de travailler. Si vous avez besoin de changer votre horaire ou vous êtes un nouvel étudiant et vous l'êtes admis, c'est ici que ça se passe. Donc maintenant, il nous reste deux, trois petites choses à aller voir pour le septième étage et ensuite, on va au sixième. Interaction 0 sur 3. Comme ça, c'est simple. Ouais. Donc ici, on est un tout nouveau laboratoire Mimesis qui est axé sur l'immersion, l'interaction et la prévisualisation. C'est un laboratoire qui est destiné aux étudiants de la maîtrise. Maintenant, on va aller voir la dernière... Là, je suis tout mélangée, là. Mais on va aller voir la dernière chose au septième étage. Ça va sourire malaisant, là. Donc ici, c'est une salle de formation continue et professionnelle. Alors, si tu es un professionnel ou simplement un étudiant et tu veux te mettre à jour pour perfectionner ton cheminement, c'est la place. Donc, c'était pas mal ça pour le septième étage. Maintenant, on va aller voir le sixième étage. Donc par ici, on retrouve la salle D-Box. La salle D-Box, dans le fond, elle sert à tous nos visionnements, tous nos projets qu'on veut présenter à l'industrie. Peu importe, si on veut regarder un film, c'est l'endroit parfait. Donc maintenant, on va aller voir Dana qui nous attend. Salut Nadège! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Donc Dana, d'abord, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à l'école NAD? Qu'est-ce que tu recommanderais aux étudiants de faire? D'ailleurs, on se trouve dans la salle D-Box. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus?
Oui, alors j'enseigne en ADE depuis 2007, ça fait 13 ans. J'ai enseigné les cours d'animation et de rigging et je supervise des projets à la fin des études dans le dernier semestre. À la base, j'étais professeure de mathématiques et puis j'ai travaillé en même temps dans un studio de télévision. Et alors, à un moment donné, j'avais découvert une annonce dans le journal. Ils cherchaient des personnes avec des connaissances de mathématiques et un sens artistique. Et alors, c'était moi, c'était ce que j'avais fait dans les dernières années. J'ai su que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Oui, c'est ici la salle où les étudiants se réunissent pour visionner leur court-métrage. C'est comme Punta Cana. Il manque le serveur. Un étudiant est talentueux parce qu'il a dans lui le pouvoir de dire quelque chose au monde autour de lui. Il a un message fort à transmettre. Alors, un conseil qu'on donne aux étudiants du NAD, développer les deux côtés du cerveau. Alors, être discipliné, être toujours dans le temps, respecter les deadlines. Et de l'autre côté, savoir se laisser aller pour créer tout en respectant les autres, tout en respectant son propre programme. Bien, merci beaucoup, Dana, pour l'information pour les futurs étudiants. Maintenant, on va aller voir l'amphithéâtre pour... on va aller voir l'amphithéâtre. On se trouve maintenant à l'amphithéâtre. C'est une très grande pièce où, dans le fond, il y a des cours avec toute votre cohorte. Il y a aussi des conférences avec l'industrie et avec même des gens du NAD. Et il y a aussi des visionnements, tout simplement. Donc maintenant, on va aller au centre de prêt. Marche. Oh, mon Dieu, tourne! Attention, Non! Au centre de prêt, vous avez la possibilité de louer des livres, des jeux vidéo, des films, d'emprunter des appareils photo, des tablettes graphiques et même tout autre accessoire connexe avec le NAD. LUCAC a vraiment une grande variété de livres axés sur l'art, l'art numérique et les jeux vidéo. C'est long pour vrai! Donc c'est vraiment un atout pour nous. Maintenant, on va aller rencontrer Louis-Philippe et visiter les studios du NAD. Je pense pas que c'est que je vais parler de ma vie puis que ça va intéresser les gens de toute façon. OK. Fait que c'est pas du niaisage. Des fist bumps pour ralentir. Oh mon Dieu, que c'est lourd là. C'est lourd là. Les images vont parler d'elles-mêmes. J'ai l'impression, ça sert à rien de dire, ben ça ici, on a des appareils d'éclairage. C'est un petit peu redondant puis vous allez faire plein de beauty shots, j'en suis sûr, n'est-ce pas? Ah, OK, attends une minute. Oui, c'est ce que j'ai interprété. C'est pas les studios ici. Ça dit juste lien étroit avec les studios d'industrie. Moi, ce que je ferais, si je peux suggérer quelque chose, c'est... Si je perds ma job à cause de vous autres, je vais être fâché. Bon. Qu'est-ce que tu fais comme en tant que professeur au NAD? C'est quoi tes projets en tant qu'artiste? Parle-nous un peu de toi. Je m'appelle Louis-Philippe Rondeau. J'ai des liens avec le NAD depuis 1997. J'ai été étudiant il y a longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais été capable de me séparer du NAD. Je reviens toujours. Et maintenant, je suis rendu professeur. Je suis passé par chargé de cours. Donc, j'ai un lien de longue date avec le NAD. J'ai étudié en photo au cégep. Puis j'ai découvert un logiciel obscur à l'époque qui s'appelait Photoshop et ça a transformé ma vie. Puis quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des images de synthèse avec des logiciels 3D, ça a transformé ma vie. J'ai décidé de me lancer là-dedans 100 000 à l'heure. J'ai jamais regardé en arrière. C'est que pas seulement une formation qui est théorique, mais c'est une formation qui est holistique. Où est-ce qu'on va apprendre différentes manières de parler l'image, de créer l'image. On a aussi le studio avec un fond vert, donc le green screen à côté, qui permet d'apprendre des techniques de compositing, incrustation et autres. Et un troisième studio qu'on appelle le studio multi, parce que justement, il est multi-usage. On s'en sert pour faire des installations artistiques, des projections, donc du projection mapping, de la réalité virtuelle,
du motion capture et ainsi de suite. Je trouve que la photo, c'est magnifique. C'est une manière de représenter un moment en un seul instant et de figer l'instant comme ça. C'est quelque chose de magique quand on réussit à le faire. C'est comme un mariage entre la prévoyance et le hasard. Et parlant de studio, quel lien pourrait y avoir entre les studios de l'industrie et les studios de l'école NAD? Il y a beaucoup de finissants du NAD, évidemment, qui se ramassent dans l'industrie, mais aussi beaucoup de gens de l'industrie qui reviennent au NAD pour enseigner en tant que chargé de cours, entre autres. La majorité des professeurs aussi vient du monde de la production télé ou jeux vidéo. Pour moi, un étudiant talentueux, c'est pas nécessairement un étudiant qui a des connaissances techniques ou des aptitudes préalables, mais c'est un étudiant qui a l'œil, qui est capable de voir la beauté, l'esthétisme d'une situation qui est commune et quotidienne et qui est capable de la présenter d'une manière qui est élégante ou qui suscite de l'émotion. Nous, on continue la visite par là-bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est situé au centre-ville de Montréal. C'est quand même un très bel atout pour nous parce qu'on est proche des industries et on est en fait proche de tous les services qu'on aurait besoin. D'ailleurs, il y a aussi l'ONF, l'Office national du film du Canada, qui est situé juste en dessous de nous, à un autre étage. Et je dis ça comme ça, mais l'Office national du film produit des films canadiens, le NAD produit des films d'animation, ce qui est un petit tatou, un petit lien, mais bref, on est très bien placé. Donc ici, c'est notre espace de vie commune pour les étudiants. C'est aussi notre cafétéria. Donc habituellement, on mange ici et on fait des 5 à 7, il y a des petits parties, ça se passe ici. Comme vous pouvez voir en ce moment, il se passe absolument rien, mais... Donc, c'était tout pour la visite du 6e étage. Maintenant, on va aller voir le 5e étage. Donc, ici, c'est la zone de production. Donc, vous pouvez voir, il y a plein d'ordinateurs qui vont vous permettre de faire vos travaux dans le futur. C'est habituellement un endroit où tu peux venir 24 heures sur 24. Maintenant, c'est avec restriction, mais ça s'en vient. On peut même dormir ici. Ça peut être quand même confortable. Je sais pas quoi faire. Et maintenant, on va aller à la zone de playtest pour faire tester des jeux vidéo. Donc ici, c'est la salle de playtest. C'est la salle, en fait, qui va te permettre de tester tes propres jeux vidéo avec tes collègues. Donc maintenant, je vais vous présenter un professeur super intéressant. Dave! Allô? J'aimerais qu'on parle du cycle supérieur. Mais tout d'abord, Dave, qui es-tu? OK. C'est peut-être too much. Non, c'était pas pire. Dans un monde où les étudiants ont connu la souffrance et l'adversité, il n'y en a qu'un pour les affronter. Oh, yo, vous jasez. Hein? Ah, bon, OK, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais me parler des... De quoi? Aborder des carottes. Introduite. Tu peux habiller ton tofu, après ça, tu le fais frire dans le cycle supérieur. Les carottes, tu mets ça dans la farine. Pourrais-tu me parler des études au cycle supérieur? Ah! Hein? Elle était bonne. Il était temps. T'es-tu bonne? Ben moi, je suis un professeur à l'école NAD depuis, je pense que c'est ma 14e année, slash un chercheur, slash un artiste. Dessiner des personnages, dessiner des environnements. Et puis, j'ai voulu faire carrière là-dedans. Puis, je trouvais que c'était le jeu vidéo qui offrait le plus de possibilités dans ce sens-là. J'ai été artiste 3D en industrie pendant plusieurs années. Je forme des artistes, des futurs artistes pour l'industrie du jeu. Je suis devenu un enseignant et maintenant un chercheur. Apprendre, je pense que c'est ce qui me fascine le plus. Puis, maintenant, je fais de la recherche sur la pratique des artistes dans le développement du jeu vidéo. Est-ce que tu pourrais maintenant me parler de la maîtrise en art? C'est un programme dans lequel on peut faire de la recherche,
approfondir un sujet, un thème, une idée qui a rapport à la création numérique. J'ai un grand coup de cœur pour le jeu Limbo, une ambiance glauque. C'est une des plus grandes réussites du jeu vidéo actuellement. Donc la recherche en or, qu'on appelle souvent la recherche création. On peut aussi faire de la recherche en design, qui s'apparente plus à de la recherche projet. Donc ça peut toucher le jeu vidéo, ça peut toucher la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'immersion, l'interactivité. Nous, on essaie d'offrir à la maîtrise un éventail de sujets, de thèmes comme ça. Donc merci Dave, c'était super intéressant. Donc nous, maintenant, on va aller voir la salle Bling & Fong. Au revoir! Donc ici, on est dans une salle de classe qui s'appelle Bling & Fong. Ce sont des fondateurs du 3D, des gens vraiment célèbres dans le domaine. Donc, comme vous pouvez voir là-bas, on peut prendre des panneaux et fermer les classes pour faire deux classes. Je suis pas capable! Oh, OK. Il y a aussi des classes avec des télévisions. Il y en a avec plein d'ordinateurs aussi, comme ici. Donc ici, c'est la Prod 5. C'est la zone de production qui est dédiée pour les finissants. Parce qu'à ta dernière année, tu vas vraiment vouloir avoir un ordi performant pour faire tes travaux que tu vas vouloir mettre dans ton portfolio. Puis, si tu as envie de voir à quoi peuvent ressembler les travaux qui ont été faits par les étudiants, je te montre ça tout de suite. Je suis vraiment contente que tu sois là jusqu'à la fin avec moi. Si jamais tu veux plus d'informations, vraiment, je te conseille d'aller voir le site internet, les réseaux sociaux ou même écris-nous un courriel. Écoute, on est vraiment gentils puis on va te répondre rapidement. Donc, à bientôt!